Les indices européens reprenaient du terrain vendredi à la mi-séance à la faveur de résultats d'entreprise satisfaisants en Europe. À 13h42, le Stoxx 600 gagnait 0,36% à 408,63. À Londres, le FTSE prenait 0,31% à 7075,34. Et enfin, en Allemagne, à Francfort, le DAX était en hausse de 0,58% à 11791,11. Sur le marché français maintenant, le CAC 40 avançait également de 0,31% à 5195,06. Il y avait 24 valeurs en hausse pour 16 valeurs en baisse. Et à noter, parmi les plus fortes poussées du jour, Renault, le constructeur, qui empochait 4,06% pour un titre à 97,39€. ArcelorMittal, plus 3,86% à 9,34€. Et enfin, Crédit Agricole, la banque, empochait 2,52% à 14,04€. À la baisse, en revanche, on tenait Technip, qui cédait 2,21% à 63,17€. Et sur le marché d'échange, l'euro valait 1,0831. Le dollar s'échangeait contre 119,51 yens. Sur le marché obligataire, pour terminer, le rendement de l'OAT 10 ans chutait de 0,6 BP à 0,41%. Pour Trading Central, c'était Sébastien Giron depuis le Stock Exchange de New York. Excellente fin de journée et à demain.